seul, mais il faut prier avec madame. C'est très, très important. En tout cas, bien aimé dans le Seigneur, ça qui est en couple, ça qui a passé des moments difficiles, en cas, des autres, de faire bon Dieu confiance et d'oublier toutes les animosités, les amertumes, parce que amertume, c'est racine à péché, tandis que l'amour qui a pardonné tout butin, et même ça qui qui paraît compliqué, l'amour qui a pardonné tout butin. En nom à Jésus. Amen. C'est là où nous avons parlé de. Là où nous avons parlé de. Oui. Là où nous avons parlé de mariage là, et il y a deux problèmes qui ont détruit en le mariage, la jalousie et le manque de dialogue. La jalousie, l'infidélité et le manque de dialogue. Quel conseil au Kaba, jeune couple, même vieux couple qui ont toujours un problème. Pourquoi les hommes, surtout entiers, nous avons dit, chaud lapin. Pas fidèle, mais à cavre ou pas chaud. Alors dis-nous, comment traiter, comment les femmes doivent faire pour qu'un homme jaloux, non, un homme adultérien arrête? Alors, ça c'est, on peut dire son expérience en vive, mais effectivement, nous, aux Antilles, et ça particulier, aux Antilles, nous grandis à un système que ça normal qu'un homme d'ailleurs ça presque valorisant de qu'on missier et une plusieurs madame Kagadi hein, tandis que nous aussi un problème au niveau à madame qui a fait que l'ouvre une le temps de fiançailles yo super gentil et marié yo et l'ouvre mariage rivé par les habitudes, par le ménage et par plein de choses, il prend des habitudes qui fait que yo pas qu'à ni même attention là encore par rapport à Maria yo. Et d'après moi, en parler des prières aller là et mélamou c'est qu'on chant. On chant on agriculteur qui travaille chant et ça se travaille. Et c'est dialogue, c'est fidélité en premier lieu, parce que nous avons plein d'occasions, que ce soit des deux côtés, de montrer nous infidèles. Mais si nous bien prier et si nous bien faire ça, il faut, par rapport à vie de prière en nous faire attention, normalement, nous devons être résister à n'importe qui tentation. Et à n'importe qui butin qui peut chercher à et déséquilibrer nous parce que l'ennemi savent, ils connaissent faiblesse en nous et toujours qu'à envoyer des sortes de flèches empoisonnées pour nous tomber et pour conduire nous à briser les couples. Parce que si pas ni couple et pas ni famille et si pas ni famille pas ni l'église, parce que nous butin pour nous pas jamais oublier c'est que bon Dieu a créé la famille avant même de créer l'église. Donc ça très important. Donc c'est ça qu'elle veut dire. Et c'est pour ça que l'ennemi a attaqué beaucoup à la famille. Donc si un TP baillon conseil, c'est que de faire en sorte que nous entendons des prières partagées dans la famille. Et particulièrement au niveau des hommes. On a dit que bon Dieu aimait l'avant un homme qui a prié. Il faut qu'il y ait une sentinelle qui a veillé à si madame, aille, foyer, aille, famille. Aille. C'est très très important. Il faut qu'il y ait bonheur pour prier Batimounaï, madame aille en particulier. Parce que moi, en vivre des expériences à niveau là ça. Et à partir du moment que on te met moi à prier, à faire ça, il faut. Et en trouvant un équilibre en foyer, moi. Parce que rien pas facile. Mais. L'amour, c'est un butin qui peut durer et qui peut même bonifier avec le temps, à condition simplement que nous apprenons et maîtriser la façon dont nous avons géré encore parce que bon Dieu met nous là pour veiller et assis foyer en nous. Alors les hommes nous prenons responsabilité nous et parce que d'après moi, pasteur, ça écrit que on madame d'être respecté mariaille et en monsieur d'être aimé
madame est plus que chrétien mais l'église. En passant, si vous comprenez ça, on vous l'a dit. Mais ça très très important. Si madame n'a pas ni respect pour Marie, ça peut pas aller. Et si Marie là pas aimé madame autant que chrétien mais l'église, ça compliqué aussi. En tout cas, c'est une petite exhortation que vous voulez faire à ce niveau là ça. En cas penser peut-être que ça qui porte les autres en plus en panne, pas prétention, en savent que tous les jours, en commandant mon Dieu grâce, pour y aider moi et faire ça il faut par rapport à foyer moi. Alors, merci un peu, Bishop. Merci un peu de permettre moi de parler de ça. Ça pas été. Merci un peu. Le problème est central. Oui, c'est central. Parce que nous vivons des temps difficiles, la famille attaquée à tous égards. Donc, c'est ça nous te voulons dire bon matin là. Parce que, bien qu'Acadie, en vrai, allô madame, seule et ce problème numéro un aux Antilles. Combien de femmes la seule qui a élevé seul Timonaï? Combien de Timon élevé sans papaï? Donc, c'est parce que la majorité. Je peux dire dans le couple où la jalousie, parce qu'il y a une jalousie maladive qui peut rendre la vie impossible. Comment traiter jalousie là? Vous savez, la jalousie ça a toujours existé. Parce qu'il ne faut pas oublier que Caïn tuait Abel. Faut pas oublier ça. Alors, c'est vrai que. On peut penser que. Sans bien qui peut être traité, mais ça a basé sur la confiance aussi. Confiance. Sur la confiance. C'est-à-dire que faut nous faire nous confiance parce que le fruit de l'esprit qui a dit que l'amour excuse tout, l'amour pardonne tout, l'amour n'est pas envieux. Et à partir du moment que on pas qu'à appliquer et parole à bon Dieu parce que on peut pas vivre bien parce que faut une obéissance par rapport à la parole parce que la parole ça est essentiel. Ça est essentiel et traiter et jalousie là, on pas qu'à dire ça simple. Mais si on pas qu'arriver, on peut demander bon Dieu parce que bon Dieu qu'a tout monde qui voulait et qui a demandé sagesse pour comprendre nos situations. Bon Dieu qu'a au-delà d'espérance ça, on pas jamais oublier que la Bible a dit comme ça que résister au diable et qui échapper loin d'eux. Pas oublier ça, c'est important. Parce que souvent, effectivement, on est des tentations, si on veut ou pas résister, ça peut y aller. Donc, encore, en passant, c'est qu'en pas un modèle, en pas un exemple, mais non jouer en comprendre. Que si on veut réussir et couper moins, foyer moins, il faut que absolument qu'on fait mon Dieu confiance et qu'on applique la parole à sa vie en moi tous les jours. Parce que c'est facile hein, de dire au monde, pas fait ci, pas fait ça. Mais ça encore meilleur si qu'on veut, qu'on applique ça ou qu'on dit. Et c'est ça en tant que je voulais dire, surtout nous les couples chrétiens en particulier, faut pas nous oublier que les mondes du monde nous regardent nous. Amen. Ça très important. Donc nous devons être comme des témoins, des sortes d'ambassadeurs et par rapport à Jésus-Christ, par rapport à ça. Et voilà ça en tant que je dire, pasteur, pour globaliser. Pour synthétiser ça, je veux dire, c'est vraiment faire confiance à mon Dieu, appliquer parole là. Et ça fondamental aussi, le pardon. Mais de deux côtés, hein, et ça fondamental. Si on peut pas, si on peut pas pardonner, c'est qu'on n'a pas aimé. Parce que l'amour qui a passé par ça, c'est très très important. Et en plus, c'est non pardonner. Et ça a libéré vous-même, parce que ça a pété chaîne, ça a fait passer dans en dimension et au quoi tranquille, parce que vous-même, vous avez en paix par rapport à beaucoup de situations. Et voilà, alors bien aimé dans le Seigneur, en cas saluer les autres, et en cas des autres, merci en pile, et pour le fait qu'elles ont écouté moi un petit moment, et
à très bientôt, fraternellement et amicalement, qu'on se voulait dans le Seigneur. À bientôt. En tout cas, frère Christian, nous avons dit merci et nous avons pris un bateau là, exprès des îles, ou pas ni mal de mer. Normalement. Bon Dieu. Amen. Oui, à qu'à prendre un petit instant de deux minutes avec madame. Comme ça, mon cas vrai que vous parlez. Et timide. Il ne parle pas parler. On ne veut pas que le monde pense que. Hein? Ouais. Appelez une main et ça dit bonjour. Un petit bonjour. Liliane. Un petit bonjour, quoi. C'est madame là qui calme. On va penser que le couple a marché parce que madame la calme. Aussi. Ah, aussi. Ok. Ok. Aussi. Ok. Ah, et timide. Liliane, on a dit couple à autres modèle. Couple à autres exemplaire. Et c'est pour cela que j'ai demandé à frère Christian. Parce que pour moi, frère Christian, c'est plus qu'un pasteur. Parce qu'aujourd'hui, nous avons parlé pasteur. Mais nous avons rencontré pasteur adultérien, pasteur menteur. Mais depuis qu'il a connu les autres, on n'a pas ni écouté un seul faux témoignage. Et moi, qu'apprécie ça. En tout ça, si en Guadeloupe, ou pasteur église à moi. Parce que vous méritez ça. Un comportement est correct. Alors, Acadie, Christian, que peut dire nous? Couple là-haut, c'est créer réussite à couple là-haut, c'est quoi? Parce que ni à l'homme monde malheureux, on va parler créole ou français. Ok. Parce que ni à l'homme monde malheureux aujourd'hui là, ni un jeune homme qui a souffert, couple là problème tout le temps. Et comment ils ont réussi avec monsieur là-haut? Qu'ils ont fait? Parce que monsieur explique nous que monsieur fait et les autres, qu'ils ont fait? Comme ça, ouais. Mais beaucoup de concessions et puis bon, ben savoir écouter l'autre et puis concessions. Hein? Savoir écouter l'autre. C'est un l'autre. Concession. Mais oui, et puis bon, ben c'est vrai que c'est pas facile par moment, mais on essaye de. Oui, voilà. C'est pas toujours parfait. C'est pas toujours parfait, mais enfin. Quand on dit par concession. Eh ben, comment dire. Ben, s'écouter et camper sur tes positions. Voilà, exactement. c'est ça. Parce que la Bible même dit, quand on est fâché, on ne doit pas aller se coucher avec la colère. Amen. Donc, si on écoute ce que dit Dieu, c'est vrai que normalement, les choses se font selon la parole de Dieu. Amen. Et j'espère que vos enfants vont suivre votre exemple. J'espère. Ah oui, c'est. Parce que moi, pasteur, ouf, avec le coup. Très difficile. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Allez, bon Dieu, bonne bénissante. Ok, et puis bonne continuation, pasteur. Et puis et à surtout, bientôt. Des bonnes nuits au lit. Amen. Amen. 'Élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Dieu est venu sur la terre pour me chercher et me sauver. Il avait été rejeté pour moi et son n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas.
jeter sur lui le châtiment qui nous donne la paix. Merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur pour la croix. Nous avons travaillé pour mon Dieu. Nous avons parlé de fruits. Regardez mon âme content. Nous avons prêché l'évangile. Il a été blessé pour nos péchés. Voilà, nous sommes dans une séance de baptême et c'est une grande fête toujours, hein, comme en cas d'isote, lorsque une personne accepte Jésus, c'est une grande fête dans le ciel. Alors, on va écouter le soeur qui va dire un petit mot. Aujourd'hui, on est réunis avec les soeurs, les frères et soeurs qui ont pris leur baptême. Et je suis très contente de voir que les jeunes, les gens s'intéressent au baptême parce que c'est le seul pour marcher avec Jésus. Amen. Amen. Mapoko. Eh bien, aujourd'hui, c'est une joie, c'est une très grande joie, voilà, pour tous ceux et toutes celles qui ont reçu le baptême, parce que moi aussi, je suis passée par là, cela fait plus de 20 ans. Hein, Bishop? Amen. Tu m'as baptisé, cela fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Amen. Mais j'ai pris mon baptême tout simplement pour marcher avec Jésus. Amen, amen. Et tu veux rester avec Jésus toute la vie? Toute la vie. Ce n'est pas pour une semaine ou pour un mois? Non, pour toute la vie. Amen. Bonjour, j'ai pris mon baptême pour être plus proche de Dieu. Alors, tu es de quel côté? Tu habites à Sainte-Anne, à Saint-François? À Petit Canal. Petit Canal. Mais à Petit Canal, il y a un grand canal. Pourquoi tu parles de la même chose à Grand Canal, ce Petit Canal? Non, il n'y a pas de grand canal. C'est beau, il y a le soleil, il y a tout. Amen, amen, amen. Voilà. Est-ce que tu veux marcher avec Jésus toute la vie? À vie, jusqu'à la mort. Amen. Qu'est-ce que tu penses du baptême? Le baptême, c'est une victoire sur l'ennemi. C'est pour montrer à l'ennemi qu'on ne fait plus partie de son camp. On a changé de camp, on appartient à Jésus-Christ. On a fait de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Chers amis de Guadeloupéenne, Martiniquais, Réunionnais, tous les gens qui me suivent dans le monde, n'oubliez pas, pour ceux qui sont à La Réunion et ceux qui sont en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, Nouvelle-Calédonie et sur toute la France, vous pouvez me suivre sur Orange. Je passe tous les soirs à 20h. Heure de Paris, c'est-à-dire que ça doit être 15h, heure des Antilles, ou 16h, si je ne me trompe pas, ou 14h, heure de la Guyane. Je passe tous les soirs à 20h sur Télé Antilles. Et je suis sur Free, sur toute la France métropolitaine, sur Bouygues, sur toute la France métropolitaine, tous les soirs. Alors, aujourd'hui, je voulais simplement faire un partage. Partager avec vous quelque chose qui me tient à cœur. Quelque chose qui a été l'objet d'une réflexion personnelle. Pourquoi la vie est si compliquée? Je crois qu'il y a des gens qui me suivent. Ce message, c'est spécialement pour les chrétiens. C'est spécialement pour des chrétiens, mais c'est aussi pour des païens, pour les non-pratiquants,
que pour qu'ils comprennent que Jésus, c'est la clé du bonheur. Et le psaume 23, c'est l'un des psaumes le plus lu. L'un des psaumes qui est un psaume très utilisé. Et j'ai toujours pris ce psaume comme modèle. Dans le psaume 23, David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et c'est tellement clair. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et Jésus est l'alpha et l'oméga. Ok? Jésus est l'alpha et l'oméga. On va l'appliquer à ce psaume. On va prendre le premier verset et le dernier verset. L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. L'oméga, c'est la dernière lettre. Alors, on va prendre le premier verset du psaume 23 et le mettre à côté du dernier verset du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Donc, autrement dit, quand l'Éternel est votre berger, vous allez manquer de rien. Et puis le résultat, la conclusion, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de votre vie. Mais est-ce que vraiment, dans la réalité, nous manquons de rien? Si nous devenons maintenant pratiques, comme dit un ami pragmatique, est-ce que vraiment dans la réalité de chaque jour, vous étant que pasteur, vous étant que chrétien, vous pouvez dire que vous ne manquez de rien? Et je ne parle pas ici, quand on dit je ne manquerai de rien, il ne s'agit pas des désirs, de besoins qui sont liés à la convoitise. Si vous convoitez une Mercedes ou si vous convoitez avoir un building, ce n'est pas obligatoirement, c'est pas Dieu qui va satisfaire tes convoitises charnelles. Ici, je parle des besoins légitimes. Besoin de manger, de s'habiller convenablement, besoin de fonder une famille, des besoins qui sont légitimes. Est-ce que réellement, nous les enfants de Dieu, nous manquons de rien? Et lorsque je commence à analyser la vie de beaucoup de chrétiens, je me rends compte que parfois, certaines personnes que nous appelons chrétiens sont encore plus malheureux, que d'autres, que même des païens. Et j'ai Hortès Songo parfois avec moi. Je parle des fois avec Hortès Songo sur WhatsApp. Alors, il m'a envoyé un texto qui m'a beaucoup interpellé. Voilà, Hortès Songo. Il m'a envoyé un texto qui m'a beaucoup interpellé. Et qui m'a beaucoup... Voilà, et là, voilà ce que Hortès Songo m'a écrit hein, sur WhatsApp. Cet après-midi, après avoir été témoin d'une scène incroyable entre un chrétien et un mondain, je me rends vraiment compte que beaucoup de chrétiens vont à l'église, mais sont loin d'être convertis. Le diable sévit vraiment chez les chrétiens en ce moment. C'est incroyable. Voyez, ça, c'est Hortès Songo qui m'a écrit ça. Et je lui ai répondu, beaucoup de chrétiens ne sont pas convertis. C'est pareil pour les pasteurs. C'est la fin des temps, voyez. Beaucoup de gens, nous les appelons chrétiens. Mais ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. L'Éternel n'est pas leur berger. Est-ce que l'Éternel est vraiment ton berger? Voilà la vraie question. Et j'ai toujours dit et répété, accepte Jésus-Christ comme ton sauveur, tu seras sauvé. Laisse le Saint-Esprit te guider, tu seras heureux. Je répète,
accepte Jésus-Christ comme ton sauveur, tu seras sauvé, et laisse Jésus-Christ te guider, tu seras heureux. Moi, il n'y a pas longtemps, je commençais à examiner ma vie. Et je fais le bilan de ma vie. Il y a un temps, il faut faire un bilan. Et j'ai réfléchi beaucoup sur ma vie et je commençais à méditer sur le psaume 23. Et je me suis dit, mais Seigneur, la vie est très dure, la vie est très dure. Et je te sers, mais j'ai tellement de problèmes parfois. Et j'avoue que parfois, je n'ai pas la joie. Je dis, mais Seigneur, parfois, je n'ai pas la joie. Et je commençais à réfléchir beaucoup sur ma vie, sur mon ministère, sur les attaques que je reçois, sur la méchanceté des hommes. Les hommes sont devenus très méchants. Et je peux vous dire, croyez-moi, les êtres humains sont devenus très méchants. Avec la crise économique, les gens veulent abuser des autres, vous voler tant qu'ils peuvent vous voler. Et certains même vous volent la Bible à la main. Et j'ai réfléchi longuement, j'ai vraiment réfléchi. Et je priais, je dis « Seigneur, parle-moi. Je comprends pas ce qui se passe, ta parole dit ceci, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. » Mais quand je regarde la vie de beaucoup des enfants de Dieu, ils sont pas heureux. Je mentirai, quand je regarde la vie de beaucoup de chrétiens, ils ont encore plus de problèmes que certains païens et ils sont pas heureux. Ils sont pas heureux, tout est compliqué. Et c'est là que le Seigneur va commencer avec moi. Je vous dis, le Seigneur a commencé avec moi. Il m'a parlé de ma vie. Il m'a parlé de certaines situations que je traversais. Il m'a parlé de certains choix que je fais. Et je ne peux pas rentrer en détail. Hein? Je ne peux pas étaler toute ma vie privée. Mais il m'a montré un choix crucial qu'il voulait que je fasse un moment donné de ma vie que je n'avais pas fait. Il m'a dit, tu vois, tout ce que tu vis aujourd'hui, tu m'aurais obéi là. Tu n'aurais pas connu tous ces soucis que tu as aujourd'hui. Tu n'aurais pas vécu tous ces problèmes que tu vis aujourd'hui. Et je vous dis d'une manière neutre, je me suis rendu compte que c'était vrai. Je me suis rendu compte que c'était vrai. Que devant une situation, il y a à peu près 15 ans dans ma vie, 15 ans ou oui, peut-être 15 ans, j'aurais réagi comme le voulait le Seigneur, j'aurais obéi à mon berger. Si je m'étais laissé guider, je pense que 80% de la situation que je traverse aujourd'hui ou des problèmes que j'ai n'existeraient même pas. Vous voyez, et certains problèmes que nous traversons, que nous vivons, ne sont que les résultats des mauvaises orientations que nous prenons, mes amis. Ce n'est pas Dieu qui est à la hauteur. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de ces problèmes. Dieu est toujours à la hauteur, mais n'est pas toujours l'auteur de nos problèmes. Et je me suis rendu compte, vous savez, on doit être honnête avec soi. Le problème de beaucoup de gens, ils ne savent pas se remettre en question. Ils ne savent pas reconnaître leur tort. Quelqu'un qui ne sait pas se remettre en question ne peut pas progresser. Voyez l'exemple de Ruth et Naomi. Voyez. Naomi, cette vieille femme, un jour, il a dit à Ruth et à Orpa de prendre une décision. Il leur a demandé de rester dans leur pays, chez les Moabites.
Et vous savez que les Moabites sont les descendants de l'inceste de Lot avec sa fille. Lot est allé coucher avec ses filles. Donc, les Moabites est une race maudite. D'une manière, par leur descendance. Mais, vous voyez, la malédiction des fois agit. Mais Dieu donne toujours aux gens la chance de se racheter. Vous voyez, Orpa a pleuré et il a abandonné Ruth. Mais Naomi, au fond de lui, il sentait le Saint-Esprit. Il sentait quelque chose qui lui disait de suivre. Ruth sentait quelque chose qui le poussait de suivre Naomi. Et Ruth a obéi au Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Ruth a obéi au Saint-Esprit. Elle a suivi Naomi en Israël. Et pourtant, Naomi n'avait pas de l'argent. Naomi n'avait aucun intérêt financier, familial. Naomi était une personne à charge. Naomi avait plus de problèmes des problèmes à donner à Ruth qu'autre chose. Parce que vous savez, en ce temps-là, il n'y avait pas de système de retraite. C'est comme en Afrique, le système de retraite théoriquement existe, mais en réalité, c'est insignifiant. Alors, les parents font des enfants et espèrent que leurs enfants prendront soin d'eux à leur retraite. Donc, dans la société d'Athan, une retraitée était la personne la plus fragile parce qu'elle n'avait pas d'entrée et elle était à la merci de ses enfants. Alors, une retraitée qui n'avait pas d'enfants, c'était encore pire. Ça veut dire qu'il n'avait ni entrée ni enfant pour l'entretenir. Mais Ruth, en acceptant de suivre Naomi, croyez-moi, elle a pris une charge énorme. Elle a pris une charge énorme. Elle ne s'est pas laissée, Ruth ne s'est pas laissée guider par des on-dit ou par des cancans. Ruth s'est laissée guider par le Saint-Esprit. Il a dit à Naomi, ton peuple sera ton peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et Ruth a écouté plutôt son cœur. Ruth n'a pas calculé, elle n'a pas fait des calculs comptables, mais qu'est-ce que cette femme va m'apporter? Combien elle va m'écouter? Non, Ruth n'a pas réfléchi comme ça. Ruth a simplement laissé son cœur lui parler. Mais aujourd'hui, les gens sont devenus calculateurs. Ils font quoi avoir des amis, tandis qu'on a des profiteurs. Des gens qui ont fait bien leurs calculs et qui savent qu'avec vous, ils auront des sous, ils vont bien s'en sortir. Les gens sont devenus capitalistes même dans l'amour. Lorsque vous êtes au chômage, vous aurez du mal de trouver l'amour. Mais lorsque vous êtes riche, vous pouvez être aussi vilain qu'une grenouille. Les plus belles femmes vont céder à vos avances. Nous sommes devenus calculateurs. Et le pire encore, parfois certains sont devenus des chrétiens, entre guillemets, mais ils n'ont pas abandonné cette mentalité du monde. Ils sont aussi intéressés comme les païens. Ce qui est regrettable. Heureusement que Ruth n'était pas calculatrice.
Elle a écouté le Saint-Esprit. Mais croyez-moi, logiquement, si Ruth devait réfléchir et écouter sa tête, elle n'aurait pas suivi Naomi. Parce que, je tiens à vous le dire, à vous expliquer le contexte socio-économique de ce livre, pour que vous compreniez que c'était un choix difficile à faire. Une retraitée, il n'y avait pas de système de retraite en ce temps-là. Une retraitée était nourrie par ses enfants, pris en charge par ses enfants. C'est la raison pour laquelle même l'apôtre Paul dit, s'il y a quelqu'un qui est veuve et qui a des enfants, que ses enfants prennent soin d'elle. Parce que c'est des enfants qui s'occupaient de veuves. Quand le parent était à la retraite, c'est les enfants au retour qui s'occupaient des parents et de leur retraite. Mais dans le cas de Naomi, elle n'avait pas de parents. Elle n'avait pas des enfants. Ses deux enfants étaient morts. Donc elle s'est retrouvée toute seule. Donc ça veut dire que sans enfants, sans rentrée. Donc, Ruth, en accompagnant Naomi en Israël, Ruth devait s'occuper de Naomi toute seule. Voilà pourquoi Ruth n'a pas hésité à mener une vie de mendiante. Ruth n'a pas hésité à mener une vie de mendiante à glaner dans le champ de Boaz. Et la grâce de Dieu a fait que Boaz a permis à Ruth de glaner partout où elle voulait. Et imaginez-vous que Ruth ait suivi sa tête ou que Ruth ait écouté les ondits ou que Ruth se soit laissée influencer par sa famille. Elle n'aurait jamais été en Israël. Et elle n'aurait jamais vécu sa destinée. Elle n'aurait jamais vécu sa bénédiction. Vous voyez, parfois la vie, parfois le destin d'un homme tient à une décision. Il faut savoir prendre la bonne décision. Parfois la vie d'un homme, le destin d'un homme, la réussite d'une personne tient à une seule décision capitale. Dans le cas de Ruth, elle a pris la bonne décision. Elle a écouté le Saint-Esprit. J'ai vu des chrétiens écouter le Saint-Esprit, prier matin, midi, soir pour savoir quelle maison il faut choisir. D'autres prier matin, midi, soir pour savoir de quelle couleur il faut peindre la maison. Prier matin, midi, soir pour savoir quel travail prendre. Mais pour le mariage, elle ne prie plus. Il ne prie pas. Quand il faut choisir le mariage, vous voyez, se tromper d'une maison, c'est moins tragique. Vous pouvez vendre, perdre un peu d'argent, mais racheter une autre. Se tromper des vêtements, c'est pas grave. Vous pouvez, le lendemain, aller les changer. Se tromper de travail, c'est pas grave. Vous pouvez démissionner et chercher un autre. Mais se tromper de mariage, c'est parfois toute une vie qui est détruite. C'est des années perdues. Mes amis, est-ce que l'Éternel est notre berger? Est-ce que nous obéissons à l'Éternel? Combien de femmes, combien d'hommes appelés chrétiens qui ont pris des décisions pour se marier et qui ont été incapables de me donner un seul signe par lequel qu'ils ont reçu que Dieu approuve leur choix? Non. Il me plaît, elle me plaît, elle est belle physiquement, et des fois c'est la convoitise. Cette femme est belle, elle a un beau corps, ça m'attire, voilà donc c'est Dieu. On trouve toute forme d'excuses pour mettre Dieu dedans, quoi. Pour mettre Dieu dans son bateau, pour embarquer Dieu dans ses histoires. Mes amis, nos vies sont compliquées. Parce qu'on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. La parole de Dieu est une science exacte.
La parole de Dieu est cette fois éprouvée. Tu dois être heureux. Tu dois un jour dire devant tes enfants, devant ton mari, devant ta femme. Et toi, pasteur, tu dois dire un jour devant l'église, sans mentir, sans faux semblant. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Tu dois dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et je peux vous dire, il y en a très peu qui peuvent le dire sans mentir. Et pour quelle raison? Parce que nous obéissons pas toujours au Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont réduit le Saint-Esprit au parler en langue. Il y a des gens qui ont réduit le ministère du Saint-Esprit aux prophéties. Vous êtes là toujours en train de prophétiser sur les autres, mais votre propre vie est chaotique. Votre propre vie ressemble en rien du tout. Et vous pensez que le Saint-Esprit est venu en vous simplement pour que vous jouiez aux marionnettes, à prophétiser sur la vie des autres, à juger les autres, à juger le pasteur. Mais non, le Saint-Esprit vient en toi d'abord pour s'occuper de toi. Le Saint-Esprit vient en toi d'abord pour s'occuper de toi, pour te montrer tes propres péchés, pour te corriger, pour changer ton caractère, pour faire de toi une bonne épouse et pour faire de toi un bon époux. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Le Seigneur est tellement simple. Le Seigneur est tellement simple. Voilà ma question. Est-ce que l'Éternel est votre berger? Voyez, le jour où Dieu m'a dit, va à Paris. Je n'ai pas réfléchi. Le jour où le Seigneur m'a dit, va à Paris. Et j'ai compris une chose. Et j'ai vu des hommes de Dieu bénis, puissamment utilisés, mourir. Parce que Dieu les a interdits de voyager. Ils n'ont pas obéi. Et ils sont allés tout droit vers la mort. Moi, un jour, je devais aller au Congo. J'étais à Saint-Domingue. J'avais pris ma décision. Je me suis dit, ça fait plus de 35 ans que je ne suis plus retourné. Et j'ai rencontré une vraie prophétesse qui m'a dit, oh, Bishop Lee, n'y va pas. J'ai vu un taureau qui t'attend à l'aéroport. Je ne suis pas allé. Mes amis, obéissons au Saint-Esprit. Et vous voyez l'histoire de Ruth. Je trouve cela merveilleuse. C'est l'un des plus beaux livres de la Bible. Il n'y a rien de spectaculaire là-dedans. Il n'y a pas un grand miracle spécialement. Il n'y a pas de... Il n'y a même pas de prophétie spécialement là-dedans. Mais c'est un livre extraordinaire. Laissez-vous conduire par l'amour. Naomi, Ruth était une femme loyale. Combien de pasteurs loyaux avons-nous aujourd'hui? Combien de chrétiens loyaux, des chrétiens qui sont restés fidèles à leur pasteur, à leur église, qu'il pleuve ou qu'il neige. Aujourd'hui, les chrétiens sont comme des prostituées. Ils vont d'une église à une autre. Quand ils entendent qu'il y a une telle vedette qui est venue, ou un tel pasteur prétendu plus puissant, il n'y a jamais de pasteur plus puissant qu'un autre. Je ne crois pas du tout à ça. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui opère. Voyez, mais des fois, il y a des chrétiens qui sont tellement ignorants qu'ils pensent que tel pasteur vaut plus qu'un autre. Et parfois, ils abandonnent leur père spirituel et leur pasteur pour aller à gauche, à droite. Vous croyez que vous pouvez marcher avec le Saint-Esprit, connaître le succès et le bonheur et la grâce en marchant dans la déloyauté? Dieu est dans la loyauté, Dieu est dans la fidélité, Dieu est dans l'amour. Vous ne pouvez pas dire vous marchez avec le Saint-Esprit et que l'Éternel est votre berger. Vous marchez dans le murmure, vous marchez dans la calomnie, vous marchez dans le manque de pardon, vous marchez dans la critique. J'ai une sœur là qui a quitté mon église, ici à Paris. Une sœur prétendue en Christ. Et cette sœur-là, elle faisait le suivi des âmes. Elle était parmi les responsables des gens qui suivent des âmes. Elle a pris la liste des brebis de l'église. Elle a quitté l'église. Elle a pris, elle a volé quelque part la liste
des brebis des membres de l'église et elle les envoie toutes les semaines des testos pour que ces gens-là aillent là où elle va maintenant. Vous appelez ça la loyauté. Vous appelez ça des chrétiens qui volent des listes. Où est l'intégrité? J'ai reçu une dame qui se disait prophétesse ici à Paris, il y a tellement de rigolos. Une dame qui se disait prophétesse. Elle est venue chez moi. D'ailleurs, on l'appelle prophétesse Esther. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a d'Esther en elle. Elle est venue chez moi comme prophétesse. Je lui ai fait confiance. Je lui ai donné toute la liste des membres pour qu'elle fasse le suivi. Un jour, elle a disparu. Elle a quitté l'église. Elle s'est tirée avec la liste. On lui a demandé la liste des fidèles. On lui a demandé de mille manières. On est allé jusque devant son immeuble, sa maison. On a fait 1h30 avec le frère Georges en route pour la voir. Elle a ouvert la fenêtre, elle nous a vu. Elle a fermé la fenêtre, elle a fermé. Jusqu'aujourd'hui, elle a gardé la liste. Et vous dites ça, servante de Dieu, prophète de Dieu, hein, l'Éternel marchera avec des personnes comme ça. Si vous pensez que les autres ne marchent pas avec Dieu, pourquoi vous avez besoin de voler le travail de ceux que vous prétendez ne pas marcher avec Dieu pour faire votre travail? Si vous prétendez être avec Dieu, pourquoi vous êtes obligé de voler la liste ou le travail de ceux que vous pensez être du diable pour commencer votre travail? Vous voyez? Je vous donne simplement des exemples simples. Je vous donne des exemples simples pour vous montrer que nous menons nos vies comme nous voulons. Nous faisons tout à notre tête. Nous marchons dans la méchanceté. Nous marchons dans la calomnie, dans la haine, dans des accusations fausses. Et nous voulons que le Seigneur marche avec nous. Et nous pensons que le Seigneur est d'accord avec nous dans ce genre de comportement. Il est temps, mes amis, qu'on puisse s'arrêter, comme toutes nos sœurs, avant de sortir dehors. Tu vas devant un miroir, tu te miroites, tu te regardes, tu peignes tes cheveux, tu t'habilles. Il est temps que nous puissions aller devant le miroir de la parole, regarder nos vies. Est-ce que nos vies sont conduites vraiment par le Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes là où Dieu nous veut? Dieu a dit au prophète Élie, va dans le torrent, va boire l'eau. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Oh, j'aime ça. Écoutez bien le réma que je vais vous donner. Je vais vous donner un réma. Je vais vous expliquer ce verset comme vous l'avez jamais entendu. Écoutez bien. Que vous soyez prophète, que vous soyez pasteur, que vous soyez docteur, je vais vous expliquer ce verset comme tu l'as jamais entendu dans aucune prédication depuis ta naissance. Écoutez, pourquoi je me permets de vous dire cela? Parce que j'appelle ça rima. C'est quelque chose que l'Esprit de Dieu m'a montré. Moi, j'ai 44 ans de vie chrétienne, jamais on m'a expliqué ça comme ça. Dans 44 ans de vie chrétienne, jamais on m'a expliqué ça comme ça. C'est seulement il y a une semaine que c'est comme une révélation, j'étais une révélation, mes yeux se sont ouverts et le Saint-Esprit m'a expliqué ce passage d'une manière sublime et d'une manière, j'ai dit « waouh ». J'ai dit, waouh, Seigneur, je n'ai jamais vu ça comme ça. Seigneur, je n'ai jamais vu ça comme ça. Regardez, 1 roi, chapitre 17, verset 4. 1 roi, chapitre 17, verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir. Petit, prépare-toi, les rémas arrivent. Les rémas arrivent.
tu boiras de l'eau du torrent. Et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir. Tu m'as dit, tu as vu la parole. L'Éternel commence par tu boiras. Et pourtant, avant on mange et après on boit, n'est-ce pas? Quand vous prenez un repas, d'abord vous mangez et après vous buvez. Ou pendant que vous mangez, vous buvez. Mais non, ici Dieu commence par boire. Il dit, tu boiras d'abord. Tu boiras d'abord et après le corbeau va te nourrir. My God! Ne faites pas l'inverse. C'est ça le rhéma. Et Dieu m'a dit, pendant que tu bois l'eau de l'esprit, d'abord l'esprit, après la révélation, d'abord l'esprit et après la parole. Il faut d'abord boire l'eau de l'esprit. Il faut d'abord aller dans la présence de Dieu. Il faut d'abord boire l'eau du Saint-Esprit. Il faut d'abord te remplir du Saint-Esprit. Après, le corbeau viendra. Tu boiras d'abord et après, le corbeau, tu viendras. Mais vous, vous avez les rendez-vous avec des corbeaux. Mais tu ne le vois jamais arriver parce que tu ne bois pas l'eau du torrent. Tu ne bois pas l'eau de la parole. Tu ne bois pas la présence du Saint-Esprit. Tu ne bois pas l'esprit, mais tu bois les cancans. Tu bois les ondits. Tu bois les histoires. Tu bois les murmures. Tu bois la convoitise. Tu boiras. Tu boiras, petit. Tu boiras. J'aime ça. Je dis, waouh, Seigneur, je n'ai jamais compris ça comme ça. Et écoutez, je n'ai jamais lu ça dans aucun livre. Je n'ai jamais entendu une vidéo ou un pasteur l'expliquer comme ça. Tu boiras d'abord et après les corbeaux vont t'amener le pain. Voyez, vous devez d'abord vous laisser conduire par l'Esprit. Vous devez d'abord être rempli du Saint-Esprit. Vous devez d'abord chercher l'Éternel, faire de l'Éternel tes délices. Et après, les corbeaux vont t'amener le pain que tu veux. Tu boiras. Oh my God. Je dis, Seigneur, je n'ai jamais compris ça comme ça. Et le pain, c'est la parole. Les corbeaux vont t'amener le pain. Et deuxième chose, mais pourquoi Dieu n'a pas envoyé des colombes? Mais pourquoi Dieu n'a pas envoyé l'aigle prophétique? Pourquoi Dieu n'a pas envoyé les colombes? Mais Dieu a envoyé des corbeaux, des oiseaux impurs. Oh my God, my God, my God, my God. Regardez, dans Lévitique chapitre 11, verset 13, on dit quoi? Voici parmi les oiseaux ceux que vous considérez comme abominables et dont vous ne mangerez pas. L'aigle, l'orfraie, l'aigle de la mer. Lévitique 11, 15. Toutes les espèces de corbeaux, ils sont considérés comme impurs. Mais Dieu utilise cet oiseau impur pour donner à manger à son prophète. Heureusement que Élie était obéissant. Il n'a pas discuté. Il n'a pas dit à Dieu, mais non, je ne comprends pas. Je suis pas d'accord avec toi. Élie était obéissant à Dieu. Il n'y avait pas à débattre. Dieu peut utiliser des païens. Dieu peut utiliser des choses impures pour vous bénir, pour vous guider. Dieu peut utiliser même un païen. Je connais une église qui a reçu un don de 1 million de dollars pour construire une école qui venait d'un hindou inconverti. Dieu peut utiliser un païen pour vous bénir. Dieu peut utiliser même un païen pour vous parler. Dieu a parlé à Balaam par un âne qui est réputé têtu et rebelle. Mais Dieu a utilisé un âne pour parler. Pareil, pour connaître les niveaux de la mer, Noé a utilisé un corbeau. Vous voyez, les gens voient le mal partout, le monde, le mal partout. Mais non, arrêtez avec votre esprit religieux. Faites de l'Éternel votre berger. Laissez Dieu vous guider. Laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu vous guider et laissez Dieu vous conduire. Vous n'allez jamais les regretter. Ne marchons pas d'après les ondits. Ah, les gens ont dit, ah, les gens veulent ça. Ne soyez pas esclaves des gens. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont
conduits par la chair, ils sont conduits par la convoitise, ou ils sont conduits par eux-mêmes. Ils prennent des décisions sans le Saint-Esprit. Ils ont réduit le Saint-Esprit qu'aux prophéties. Ils ont réduit le Saint-Esprit au tremblement. Ils ont réduit le Saint-Esprit au parler en langue. Alors que le Saint-Esprit est là pour vous amener vers le bonheur, pour vous faire vivre le bonheur et vous rendre heureux. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Voyez, parfois, notre destinée tient qu'à une décision. Parfois, notre bénédiction tient à une seule décision. Imaginez-vous qu'Abraham n'ait pas quitté son pays, sa patrie. Aurait-il vécu tout ce qu'il a vécu? Aurait-il été béni comme il a été? Imaginez-vous qu'Abraham ait dit, « Non, j'ai une trop belle maison, papa bon Dieu. Non, je suis l'héritier, mon père a besoin de moi. Non, mon champ, Seigneur. » Abraham, humainement parlant, il avait mille raisons. Combien des hommes aujourd'hui sont capables de quitter leur maison, leur pays, tous leurs biens pour obéir à Dieu? Combien? Tu dis à j'ai dit à un jeune pasteur qui est avec moi, quitte ton travail, viens travailler à temps plein pour l'église. Il m'a dit non, Bishop Eli, ma femme ne voudra pas. Un autre, j'ai dit la même chose à un autre. Il m'a dit, ah non, Bishop Eli, il faut qu'on me paye l'équivalent de ce que je gagne dans le monde. Donc, c'est question d'argent. Combien de gens refusent l'appel de Dieu? Oh my God. Oh my God. I believe que Dieu nous pardonne. En pas là pour faire autres leçons, en pas là pour dire autres que moins c'est meilleur, autres pas non, en là pour parler avec autres, en famille. Moi qui vous parle quand j'examine ma vie, je me dis plusieurs fois je n'ai pas écouté le Saint-Esprit comme je vous l'ai dit. Plusieurs fois j'ai désobéi au Saint-Esprit. Plusieurs fois le Saint-Esprit m'a dit ne prends pas ce chemin, mais je l'ai pris quand même. Et 10 ans après, j'ai dit, Seigneur, tu avais raison. Seigneur, tu avais raison. Mais c'est du temps perdu. C'est comme Abraham, Dieu lui a dit, quitte ta famille, mais Abraham a pris Lot. Et après, quelle souffrance. Abraham a dû faire des guerres pour libérer Lot, mettre sa vie en péril. Abraham a dû assister à des disputes entre ses bergers et les bergers de Lot. Lot n'a mené que des problèmes. Il y a des couples, ce n'est pas une raison pour laquelle il faut divorcer, parce que je ne crois pas au divorce. Un enfant de Dieu ne doit pas divorcer. L'amour supporte tout. À part pour adultère sans repentance, ça c'est ma conviction. Ou une chrétienne ou un chrétien vit avec un non-pratiquant qui ne consent pas à habiter avec elle. La Bible considère que vous êtes libre. Mais le vrai amour supporte tout. Quand vous prétendez aimer quelqu'un, vous supportez tout. Le vrai amour supporte tout, excuse tout, croit tout, espère tout. Donc c'est un tout, 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 tout. Voyez, mes amis, voilà l'origine de tous nos problèmes. Moi, il n'y a pas 2 jours, j'ai fait un bilan, 2 ou 3 jours, j'ai réfléchi. Je dis, Seigneur, qu'est-ce dur. Et là, le Seigneur, c'était un point précis de ma vie. En cas prêcher les autres, bitain, que bon Dieu qu'a prêché, moi. En cas prêcher les autres. Bitain que moins qu'à expérimenter. Je ne prêche pas aux gens des choses que moi-même je ne vis pas. Je prêche ce que je vis. D'ailleurs, tout homme de Dieu devait faire comme ça.
C'est là que Dieu me dit, tu vois là, telle année, tu m'aurais obéi, tu aurais réagi d'après l'amour, tu aurais été correct dans telle situation, cette année-là, mais aujourd'hui, tu ne serais plus là où tu es. Tu n'aurais pas cette situation que tu dois subir aujourd'hui. Tout serait autrement. J'ai dit, oui, Seigneur, tu as raison. Tu as raison, Seigneur. Mais t'es là compliqué, c'est moi qui compliqué. Viens nous compliquer parce que nous sommes compliqués. La vie est simple, nous sommes compliqués. Chrétiens, nous ne voulons pas obéir à Dieu. Et nous pensons que c'est le pasteur qui va changer nos vies. Nous pensons que c'est l'imposition de main qui va changer. Nous pensons que c'est un prophète qui va changer. Voilà pourquoi tous les charlatans, les rigolos viennent maintenant vous manipuler, vous amener d'une église à une autre. Des chrétiens quittent, aujourd'hui les chrétiens quittent une église pour une prophétie. On leur donne une prophétie, Dieu t'appelle au ministère, reste ici. Elle reste, voilà, elle quitte son église pour une prophétie. Alors, les escrocs et les manipulateurs ont compris ça. Comme ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils font des fausses prophéties. Ils vous gonflent les chevilles. Ils vous gonflent les chevilles. Toi, tu seras une grande prophétesse, un grand serviteur. Viens ici, c'est moi qui vais te former. Est-ce que vous pensez que Dieu est derrière ça? C'est par des prophéties qu'on gagne des âmes. C'est par des prophéties qu'on gagne des âmes. La prophétie n'est pas faite pour ça, pour faire quitter les gens leurs églises. Mes amis, un et mes autres, et qu'en dit, en dit à autres, humilions-nous devant le Seigneur, répentons-nous tous, et faisons de l'Éternel notre berger. Faisons de l'Éternel notre berger. Et vous allez jamais le regretter. Vous serez bénis et vous connaîtrez le bonheur et la grâce. Que Dieu vous bénisse et que Dieu réalise vos rêves. Je vous aime tous de l'amour de Dieu. Soyez bénis. Attends, non. 1, 2, 3.